사방 해린 공감을 했습니다. 이만 여왕 기사 우타가 많이 Il a toujours été harcelé, mais sa mère dit qu'il vient du ciel. C'était sa première fois d'avoir une balade en voiture, mais les gens voulaient des autographes et des photos de ce garçon. Il a finalement rencontré trois autres enfants qui ont le même handicap que lui. Il a été amené à l'école pour étudier et avoir un meilleur avenir malgré les critiques à son égard qui disent qu'il n'est pas un humain. La maman est heureuse qu'il puisse y avoir d'autres enfants qui ressemblent à son fils. Il est maintenant plus ouvert et a de vrais amis. Avant de poursuivre les amis, répondez à la question du jour dans les commentaires. Lorsque l'on me nomme, je n'existe plus. Qui suis-je? La réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo. C'était un grand plaisir de repartir sur les traces de Zanzimana Eli. Nous l'avons sorti de son village pour la première fois et nous l'avons amené ailleurs dans une ville. Il n'a jamais vu de ville, il découvre un nouveau monde. Pour quelqu'un qui passait la majeure partie de son temps en brousse, au milieu des arbres, c'était intimidant de regarder l'extérieur depuis une voiture. Tout est en mouvement et tout bouge autour de lui. Étonné du comment cela est possible, il se place à la fenêtre pour mieux voir ce qu'il se passe. Comme vous pouvez le voir, il apprécie beaucoup la balade. Pour ceux qui ne se souviennent pas de lui, Zanzimana Eli est né différent. Il n'entend pas, il ne parle pas. Il avait pour habitude de courir dans les champs et lorsque la nourriture venait à manquer, il allait dans la forêt et se nourrissait d'herbes et cela faisait croire aux voisins qu'il était un animal. Il est né avec les gens et vit avec les villageois. Et sa mère savait très bien que lorsqu'il n'était pas surveillé, il partait se nourrir dans la forêt. Les gens le harcèlent avec des surnoms comme singe, gorille, babouin, etc. Et la mère n'est jamais tendre avec ceux qui attribuent de tels noms à son enfant. Elle dit qu'elle est heureuse de l'avoir mis au monde et elle est persuadée que Zanzimana Eli vient du paradis. Lorsque nous avons visité cette famille pour la première fois, le garçon ne voulait pas nous voir ni rester sur place par timidité. Il a peur des inconnus, donc lorsqu'il nous a vus, il a pris la fuite et sa mère est allée à sa poursuite pour nous le ramener. Quand nous l'avons visité pour la deuxième fois, il était déjà habitué à nous et il interagissait avec tout le monde. Nous lui avons apporté un gâteau et sa mère disait que c'était leur première fois de goûter un gâteau et de boire un soda. Ça, c'était une de leurs meilleures journées d'après les dires de la mère. Comme ils l'ont dit, ils ne pourront jamais oublier cette journée. Ça, c'est très bon, c'est incroyable. Que Dieu bénisse tous ceux qui me soutiennent et encouragent mon fils. Après tout cela, nous avons décidé de l'amener voir d'autres enfants qui sont nés comme lui dans un centre appelé Ubumwe Community Center. Dans cet établissement, il y a trois autres enfants avec le même handicap que Zanzimana Eli. J'espère que vous vous souvenez d'eux. Ils ont moins de 10 ans et des visages étranges jamais vus auparavant. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont peut-être des bêtes. Des gorilles ou alors d'autres animaux. Mais non, ils sont juste des personnes comme nous. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ces enfants? Pourquoi ces enfants sont-ils comme ça? Comme vous pouvez le voir maintenant, la ville a eu un impact sur eux. Ils sont beaucoup plus propres, bien portants et bien sûr plus intelligents. Comme l'aventure était très longue, nous étions obligés de visiter plusieurs villes, s'arrêter, prendre une douche et manger, puis se reposer. Et le lendemain, continuer l'aventure avec Zanzimana Eli et sa mère. C'est plus qu'une aventure, c'était génial.
tôt le matin, sa maman devrait l'apprêter pour la journée. Lorsqu'il s'est vu pour la première fois dans un miroir, c'était très drôle. Il a passé plus de 30 minutes à se regarder et chercher un moyen de toucher son reflet. Dans sa tête, il se demande pourquoi la personne dans le miroir fait tout comme lui. Et il est étonné de voir que cette personne l'imite. On s'est dépêché et on a repris l'aventure. La curiosité de Zanzimana Eli était sans pareil de l'intérieur de la voiture. Et d'après sa mère, il a vraiment aimé et ça lui a fait beaucoup de bien. Pendant toute ma vie, ceci est mon deuxième voyage. Le premier, c'était pendant la guerre, lorsqu'on a fui vers la Tanzanie. Cela était mon plus long voyage et celui-ci est mon second plus long voyage. Pour rappel les amis, Zanzimana Eli et sa mère sont rwandais. Ils avaient fui le génocide sanguinaire qui a éclaté à l'époque pour se réfugier en Tanzanie. Sur le chemin, les gens étaient très surpris de le voir. Et voulait des autographes, mais il n'est pas fait pour ça. On s'est juste arrêté pour que les gens puissent le saluer. Pendant un petit moment, une foule de jeunes garçons sont venus le voir. Certains voulaient lui parler et d'autres voulaient prendre une photo avec lui. Lorsque la foule est devenue trop grande autour de lui, nous sommes remontés dans la voiture pour aller au centre communautaire au Bumwe. Arrivé là-bas, Zanzimana Eli a été accueilli par d'autres enfants handicapés. Ils ont rapidement fait connaissance et après il est devenu ami avec les autres enfants. C'était un miracle pour lui lorsqu'il est entré dans la grande salle et a vu des enfants chanter, jouer plusieurs instruments de musique. Il était choqué et apeuré par le nombre d'enfants présents dans la salle et puis il a pris la fuite. Nous l'avons ramené dans la salle et lui avons expliqué qu'il doit se sentir libre, qu'il n'y a rien de dangereux dans cette salle. Seulement des enfants comme lui qui s'amusent. Après qu'il se soit calmé, il a rejoint les autres, a commencé à danser, puis a essayé de chanter avec eux. Mais le seul problème, c'est qu'il ne parle pas.